Et sans bral di la, m'pa vle offenser personne. Mon wè sakrive déporté, hein. Gan pile lot haïtien sa privé. Ou un dossier Biden nan la, Lixon. M'pa parle ce dossier sa, c'est le un dossier de gen danger là dedans. Licensible papa. Même ka seulement dit quelques haïtien, vigilant. Mauvaise nouvelle dans le programme Biden nan, pour moun ki te bay kòp pour appliquer pour yo, ak si la ki te bay kòp pour yo ka approuver question. Ojo nou sa tande nan intro vidéo a, sa gen yon mwa depuis te riel te li se pataje li sou plateforme ni ki se ti koze ak tete. Kote li te titre vidéo a kon sa, an pil moun pè pour programme Biden nan pa kampe, tete voye yon message bay moun ki entre USA yo. Vidéo sa te riel te li se pataje a, gen an pil koze la dan, important pour nou konnen tout détail sa yo. Sa gen kek jou, depuis gen an pil bat bouche sou rezo a, kote an pil moun pè parler causer ça. Journaliste Luxon Saint-Ville qui en pile dans nous connaît, t'est arrivé faire plusieurs posts sur dossier programme Biden nan. Ak ça qui concerne si la yo ka fè route Mexique là ka rentrer États-Unis qui pas qualifié pour asile. Premier poste là, Luxon Saint-Ville t'est fait a qui t'est mené en pile parler et ça qui t'est fait parler causer a tout profiter moment ça pour yo sortir dans silencieux. Poste Luxon nan t'est parti comme ça. Gen plusieurs employés dans USCIS qui déjà perdu job yo à cause yon impliqué nan pran kòp nan men moun pou yo fè approuver avant lè. D'après ça yon sous proche instance fédérale la fè yo konnen, moun sa yo évoqué après investigation, gen l'autre employé qui impliqué nan réseau ça qui obligé remettre l'argent parce que yo sous investigation. C'est ça yon l'autre sous rapporté yo. Nan cadre d'enquête sa yo, gen bénéficié qui te bay kòp pour entrer États-Unis qui recevoir notification travel not autorized malgré yo te déjà sous territoire. Nan pil cas, immigration pa pou demande 4 travail moun sa yo en attendant investigation yo ap continue. Ça c'était post la Luxon te posté, mais d'après un pile commentaire, il y a un pile moun qui dépense l'argent dans mois janvier ak mois décembre pour yo voye ici États-Unis pour appliquer pour yo et pour approuver question. On pense tout, il y a un pile moun si yo t'étend des messages t'étend fait passer à travers plateforme ni an. Un pile moun pa t'ap gèt arrivé nan niveau ça. Et nous ka toujours regarder le sous plateforme ni an, laisse ça va faire plus prudence toujours. Nous connaît pays nous pas bon, li pas offrir nous rien, mais trop pressé pas faire jour l'ouvri. Il y a un pile sponsor tout qui victime en bas mais l'autre monde qui a été bail appliqué pour famille yo. Dernièrement là, j'ai un team qui t'a contacté pour te dire blessé, moi j'ai deux monde m'ont appliqué pour yo qui bon qui vient d'entrer États-Unis. Moi je vais appliquer pour 4 autres monde encore. Me dit bon, on ca toujours faire, ou juste monter sous même account USCIS là ou faire ça. Dit non blessé, c'est un monde qui compte maintenant bien, me bail faire application pour moi. Me dit bien fait même monde ça réappliquer pour encore parce que ou déjà ouais résultat dans même monde ça. Dame nan dit blessé, m'pas bon menti. Mon nan fâché avec pour rien et à plusieurs reprises m'a passé entrer sous account USCIS là, mot de passe là pas reconnaître et pour email moi même bagaille là. Me dit en tous les cas tête chargée. Et bien son café et c'est arrangé avec mon nan. Et après 2 semaines dame nan t'a pas le recontacter encore, voyez photo pour moi pour le montrer. Après le fin bataille pour récupérer email là avec mot de passe liback, li joine moun ça appliqué pour 6 moun sans autorisation avec information personnelle li encore. Tête chargée, tout ça yo gen danger là-dedans. Haïtien bon moun nan sans ça yo parce que si c'est l'autre nation ou bien Spanish, yo t'a bien t'a déposer plainte pour ou. En pile fois sponsor qu'on décide appliquer pour yon famille ou bien on ami et on ami et puis moun capable appliquer pour li page. A jamais faire application sponsor te bal faire, li décide appliquer pour moun pa le faire comme sous tête sponsor encore. Mais gen pile team qui plein genre de bagaille ça yo ensemble avec moi, tous les quatre tête j'ai bagay yo en pile. Si yo te appliqué pour nous dans cadre programme Biden nan, rete tête fret, y a privé sous nous quand même, semble comme ticket nou pito, au lieu d'aller dépenser pour un bagay qui pral bloquer nous pi devant. Dossier ça yo souvent gain déportation là-dedans yo parce que l'état ici pas dans si tirer sacré les faux de là, ou a prend prison et payer gros amende. Pito nous souffrir les jours de délivrance là pour nous pas dans caisse sauter, pour nous pas dans sinté connait. En tous les cas tête chargé, gain un autre poste Lixon te posté qui vraiment important qui concerne programme Biden nan encore. Côté elle te dit, USCIS rappeler tout le monde que yo même à tout fonctionnaire yo j'ai mandé pour transférer l'argent par un particulier dans le cadre d'un dossier immigration. Yo pas accepté, yo pas accepté Western Union, MoneyGram, PayPal ou bien Gifka comme moyen pour moun payer. C'est ça autorité a dit dans une note publiée sous compte Twitter officiel le jour qui était mercredi 31 janvier 2024 là. Service immigration américain dit yo pas jamais mandé payer yon l'argent à yon moun soit dans téléphone ou bien par email. Leur besoin conseil juridique sous question immigration, assure que moun kap edo la, c'est un avocat ou bien yon représentant accrédité kap travail pour yon organisation de département justice. Après ça, personne moun pas autorisé ba au conseil juridique sous question ça. C'est ça USCIS rappelé sous site internet li tête chargé bagay yon en pile mes amis. Gen en pile moun États-Unis qui entre dans cadre programme Biden nan qui gen année presque année qui toujours plein pour kat travail qui pas jamais vini. Nous pas konnen moun sa yo si paye famille yo te paye pour un moun sponsorisé yo ou bien qui ça. Donc c'est ça yo pas jamais petit dans États-Unis. Élection te font l'autre poste encore qui vraiment important pour nous connaître. Si la yo qui décide de faire route là pour entrer États-Unis. Quand elle te dit, autorité ou nan CBP fait qu'on ait gros conséquences,
pour migrants qui passent par frontière pour tenter d'entrer illégal aux États-Unis. Depuis yon kimbo, ou capable de déporter dans le pays d'origine, soit pas prouvé rapidement ou qualifié pour asile. C'est sa responsable rappelé dans une note qui a été publiée plusieurs fois sur compte Twitter pendant toute semaine. Il a précisé dans la dernière statistique, CBP te mette d'ailleurs, il a dit sorti mois mai pour arriver 31 décembre 2023, ministère sécurité intérieure américain qui c'est gouvernement DHS. Voyez plus passer 472 000 migrants tourner dans le pays. Chiffre révélé, majorité dans le monde, c'est pas frontière sud-ouest pays États-Unis, yon te passé. C'était pour ça, Luxon te posté, l'été important pour nous te partager ça ensemble avec nous, pour nous pas nan courir, pour pi devant, pour nous pas regretter, parce que bien pile haïtien, c'est bien matériel, yon compte souvent vendre pour yon quitter pays, pour yon rentrer ici dans le pays États-Unis. Pas fait rien, dans tête chaud, pour nous pas nan si nous te connaît, plutôt nous miser dans route, nous pour te bon résultat. Nous même tout, qui presque gagne année, ou qui gagne année déjà dans quatre programme Biden nan rete positif tête frette parce que y a privé sur nous quand même et n'a pas prouvé. Prend pile commentaire c'est à cause de magouille ça qui cosi là qui était là avant yo a souffri en tout les cas tête chargé bagaille en pile. Sinon ouais voix pas fin en forme moins grippé gien un grippe de yo qui red qui marche avec fièvre protéger tête nous avec cache nez l'en a sorti parce que gien une épidémie qui de yo qui vraiment red qui vraiment dit qui même arrivé mettre monde coucher sous cabane l'hôpital. Nous connais nous même haïtien nous quoi dans remède nous quoi dans bouteille nous pas négliger mettre cache nez dans travail nous les nous pour le travail parce que c'est mettre corps qui veille corps en tout les cas tête chargé bagaille en pile. N'a premier c'est Tim Sayo qui toujours là pour voir cadeau étoile by plateforme nan qui c'est Teriel Telis, Francis Destiné, Côté Judnel, Avida Echendol, Sandy Fécu, Olivier Louis Jean, Donald Jimissi, Jay Beck, Bové Schneider, Jean Rolando Lamou, merci love moi big up pour nous et un merci général à toute belle team Lesi TV moi qui toujours là pour supporter travail ça qui toujours là pour bail travail ça bourade pour avancer puis devant qui toujours là pour bail love ak support et qui toujours là pour partager vidéo moi à chaque fois moi poster. Team Lesi TV moi remè nous en pile et moi voyons encore salutation spécialement à nous même parce que sans nous même travail ça pas ta privé dans niveau ça pas ta privé dans dimension qu'il rivé a. Et ou même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blaze TV, n'a pas invité au vinn team ça qui c'est Team Blaze TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page à follow page à pour nous ka au courant de toute bagaille pour ne pas rater rien. Team Blaze TV moi encore bisous bisous love moi merci. Oh bah yo pile mes amis t'as chargé. Mais ça bah c'est